des candidats à la candidature se permettent de m'appeler candidat à la candidature. C'est-à-dire, ils ne veulent pas poser un dossier de candidature officiellement, avec un programme officiellement, au vu de tout le monde. Je me fais élire, je ne me fais pas élire. Non, ils ne veulent pas ça. Ils veulent des garanties d'élection. Donc, ils viennent, ils veulent me rencontrer avec, je vais les citer, citer la manière dont ils s'expriment. Je viens avec des gens importants et des gens de haut lieu. Donc, Hedou, qui viennent et qui te disent, je viens avec des gens importants, des gens de haut lieu, ça, c'est pas mon langage. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, ça. On est tous importants, au lieu, Kenri Rabbi, au lieu, et nous, on est tous importants, dans nos familles, dans nos trucs, dans nos... on est tous importants. Donc, je comprends pas ce langage-là, et je veux pas le comprendre. Donc, Hedou Knes, candidat à la candidature, qui veut être élu sans poser de dossier de candidature et sans le dire officiellement, ils veulent te rencontrer, tac tabla, oui, avec des gens importants et des gens de haut lieu. Pour vous dire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Je leur réponds que je ne comprends pas. Clairement, je suis en train de citer les choses clairement. Je suis très précis dans ce que je dis. Je ne comprends pas ce langage-là. Des gens de haut lieu, des gens importants, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce langage-là, je ne le comprends pas. Il y a un programme à déposer, une candidature à déposer. C'est tout ce que je veux. Ça, c'est une fois. Ça, c'est deux fois. Ça fait déjà beaucoup. Des candidats à la candidature. Les candidats à la candidature qui sont connus, si demain, ils veulent dire, ils veulent lever la main et ils disent, moi, j'ai jamais fait ça, qu'ils fassent attention. Celui qui dit qu'il a jamais fait ça, qu'il soit sûr de son coup. Dites-vous que celui qui lève la main et dit, j'ai jamais fait ça, que j'ai pas essayé de parler au coach, comment ça s'appelle déjà, ça? Clairement, le mot, c'est quoi? Je ne sais pas, ils vont dire le mot. C'est quoi le mot, ça, de venir voir l'entraîneur, ou venir voir quelqu'un et lui dire, écoute, je veux te rencontrer, tout ça, les trucs, et qu'on va faire nos affaires. Cherche votre soutien. C'est quoi? Cherche votre soutien. Ça, c'est de la grande diplomatie, ça. Le terme de ça, c'est quoi? Le terme de ça. C'est quoi? Mais je sais pas, c'est quoi ce terme? Qu'on vient, il y a des élections qui vont avoir lieu. Les coulisses. Trahison, coulisses, des tricheurs. Corruption un peu, non? Corruption. Le ma'arifa, ma'arifa, si on veut dire plus le truc. On n'est plus dans le ma'arifa, apparemment. Jezel Jadida, c'est fini le ma'arifa. Ah, mais les gens, il faut qu'ils comprennent. C'est-à-dire, eux, ils comprennent comme ça, publiquement. Mais dès qu'on arrive dans les choses un peu trucs, ils retombent dans leurs principes. Ils m'entendent, là. C'est fait exprès. Vous avez ouvert ça, je savais que vous allez parler de ça. Donc, ils m'entendent. Qui lève la main et qui disent, j'ai pas fait ça, moi. Hein? Ils viennent et disent qu'ils ont pas fait ça. Donc, je leur ai dit, avec véhémence, je marche pas dans tout ça, moi. Tu veux te présenter à la truc, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Je reste à mon poste.